Bonjour à tous, bon vœu de Noël. Alors, je vais donc nous présenter le Dragon's Lair Trilogy qui est sur GOG. Alors, on a tous entendu parler de Dragon's Lair, pour ceux qui ne le connaissent pas, par Jean-Louis Grenier, sur la difficulté de ce jeu qui est énorme. Donc, du coup, je vais tester pour voir à peu près ce qu'il est. Est-ce qu'on peut jouer manette? Alors, c'est la question. D'accord. Donc apparemment c'est clavier extra. Bande annonce, dessinée, entretien, bon d'accord. Le tout est clavier souris. Enfin surtout clavier. Donc jouer, live. Ah on a le. Ah, j'ai un maximum de 3 vies. Ok. Allez. Interaction. Waouh. Ah oui. D'accord. Ah oui, t'as même pas le temps de t'arrêter. Je suis mort. Ce jeu... Putain, j'ai... Attends. Oh putain, hey, la game, oh, putain, c'est au moins what the fuck. Alors graphiquement, il est beau, hein. C'était la version qu'il y avait eu sur sur jeu de console et autres. Oh, attends, la partie a même pas duré 15 secondes. Je me suis fait jarter en 15 secondes la game. Attends, j'essaie de recommencer. Attends. J'ai pas le temps. Je fais ce qu'on me demande, je meurs. Mais en plus, le pire, c'est que je tombe pas sur le bon truc. Est-ce que c'est bonne touche? C'est la question que je me pose. J'arrive pas à jouer. Et je me demande si j'ai les bonnes touches, en fait. Peut-être qu'il faut que ce soit souris que j'y arrive, peut-être. C'est impossible. T'as pas le temps, t'as pas le temps, t'as pas le temps. C'est impossible. Ce jeu. Attends, j'essaie encore une troisième fois, mais... Attends, je vais vérifier un truc. Oui, bah, hit me, ouais, ouais. J'ouvre. Mais t'as... Le temps de réaction, être humain. Et le jeu... J'ai pas le temps, j'ai pas le temps, tu peux pas. Et le... Mais pourquoi le... Tu meurs plus vite que ton ombre. C'est pas possible. Attends, non, attends, c'est... Mais... Ouais, dans ton nouveau score si tu veux, mais... C'est impossible. Oh mon dieu. Dragon's Lair 2. On va essayer de faire le... Voilà. Le premier, on a duré 10 secondes. Jouer, extra, vas-y. Mode... Le pire, c'est que je suis en mode facile. Allez, on essaye le 2. Ah putain. Ah, là... Mais c'est impossible de jouer à ce jeu. C'est pas possible. Regarde, attends, j'essaye de...
même si je fais ça, c'est... Attends, on est quand même sur un univers qui est... Je sais pas. Alors, franchement, je sais pas. Si c'est moi qui sais pas jouer, il faut rester appuyé, il faut la touche. C'est horrible. C'est horrible. Ah d'accord, c'est, j'ai compris. C'est vraiment que la souris. D'accord, en fait, d'accord, j'ai compris pour le premier aussi. Mais c'est tellement... Putain, et c'est un truc à se stresser. Attends, on recommence. On est reparti. Ok, il faut qu'il bip. C'est un jeu tellement stressant. Ok, j'esquive. C'est horrible. Faut connaître le jeu par cœur. Mais... Allez, une, deux, trois. Non, c'est horrible. C'est horrible. C'est... Franchement, le gameplay de ce jeu, c'est... Mon dieu. Attends. On va... C'est quoi l'autre jeu, Space Head? C'est un jeu qui était fourni, donc Space Ace. Démarrer le jeu. Jouer. Tu te rends compte que c'est quand même le niveau... Oh, c'est le même style de jeu. C'est le genre de jeu, mais graphiquement pour l'époque ils sont magnifiques, on est d'accord. J'ai pas le temps. C'est... Ils ont voulu faire de l'interaction tellement rapide. Mais en même temps c'est tellement fluide. T'as pas le temps de te reposer. C'est... Alors, si le jeu vous le prenez pas cher, ça pourrait être intéressant si vous avez envie de le faire, mais franchement, c'est monstrueux. C'est le genre de jeu, c'est... Je sais pas le prix que ça devait coûter à l'époque, ce jeu, c'était une fortune, mais tu pouvais pas le finir. Faut avoir des réactions inhumaines pour le réussir, mais c'est réellement dommage. C'est un jeu qui pourrait être marrant pour stresser quelqu'un, surtout que tu veux offrir pour Noël.